Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, ce qu'on va faire, c'est le tirage pour le week-end hein, du 5 et 6 février 2022. Et nous allons voir que nous réserve ce week-end hein. Et là, je vais faire le tirage des énergies principales du week-end. J'aimerais bien avoir deux cartes pour les 2 jours. Et c'est avec les runes. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que le temps n'est pas trop mauvais chez vous. Alors, je voulais vous rappeler que j'ai commencé à faire les tirages pour le mois de février. Je suis un peu en retard, désolée. Mais j'en ai déjà fait 2, je pense. Et qui sont dans une playlist. Ah ben je crois que j'en ai 2. Non, j'en ai plus. Allez, week-end. Qu'est-ce que nous dit ici? On a la carte du Berkano qui représente le boulot. Et les mots-clés sont la créativité, les nouvelles idées, la naissance. On nous conseille de cultiver. Et au niveau spirituel, énergie maternelle, croissance intérieure. Donc, je vous la montre. On va la laisser là. Et nous en avons 3. Ensuite, nous avons Tiwaz qui nous parle d'autorité, de justice, de passion, de volonté, de victoire. Et on nous dit pour le bien commun et la vertu. Donc, vous voyez ici, on a quand même quelque chose de nouveau qui commence avec Berkano et des nouvelles idées et une énergie maternelle, croissance intérieure pour le bien commun et la vertu. Et là, nous avons Ewaz qui, la traduction, c'est le cheval, qui nous dit que nous sommes dans le progrès, dans le déplacement, dans la coopération et le partenariat. Et au niveau spirituel, progrès intérieur, dualité de la nature. Allez, on va retourner les cartes. Bon, ici, c'est la carte du passé récent. Et on a le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parle de personnes prêtes à aider. De personne qui est plus dans l'amour, hein. C'est une personne sensible et sincère. On pourrait nous parler d'un début d'amour, là, hein, dans le passé récent. Bon, on a 2 rois. Ceci représente le présent et celui-ci représente le futur et nous avons le diable. Donc, nous rentrons dans le week-end, enfin, on va parler d'aujourd'hui, le vendredi, qui représente une journée basée sur l'amour, sur l'entraide, dans le soutien, dans la réconciliation. On peut aussi dire que c'est une journée où il y a peut-être des déclarations d'amour. Alors ici, nous avons le roi de deniers qui, lui, représente l'argent. Une personne qui est plus dans la bonne gestion des finances. Donc ici, le conseil est de gérer plus la colère, hein. Donc faites attention à la colère pour ce week-end, hein, puisque ici, on a ce roi qui est le roi de la gestion de l'argent, mais comme on nous parle ici juste avec le 5 de bâton, qu'il y a des conflits et qu'il peut y avoir des incompréhensions pour ce week-end. Donc, gérez votre stress, apprenez à gérer, pas seulement le stress, mais aussi la colère, hein. Donc, le 8 de bâton qui lui vient nous parler de contact, de rapidité, de changement, de mouvement, de petits déplacements. C'est peut-être une mise en garde, hein. Même si ici on a beaucoup de bâtons qui pourraient représenter le travail. Bon, pour ceux qui travaillent, faites attention aux conflits durant ce week-end.
On vous dit qu'il y a des événements qui vont se précipiter et on vous dit d'être déterminé, d'avoir une personnalité indépendante et d'être sur le contrôle de la situation. Donc ne vous laissez pas entraîner dans ces conflits, hein. Donc attention, week-end de conflit quand même, hein. Alors, nous avons ici le diable pour le dimanche, hein, on peut dire que c'est pour le dimanche. Ici, donc le diable représente l'argent, le sexe, mais aussi la manipulation, l'attraction physique, l'attraction charnelle, la passion, la jalousie, la dépendance, l'obsession, enfin les excès en tout genre. Donc, faites attention. Là, vous terminez pour une journée ce vendredi ben, basée sur l'amour, mais ce week-end pourrait se transformer en week-end de pugilat. Et ça pourrait arriver de façon rapide et on vous dit de garder le contrôle et aussi d'être déterminé, plus dans la créativité hein, par rapport à ce week-end. Donc, si vous partez en manifestation, faites attention. Soyez pacifique, ne vous laissez pas emporter par la colère et par la tentation, puisqu'ici, hein, on a le diable qui va faire tout son possible pour mettre la zizanie. Hein. Voilà, bon, allez, on va voir au niveau sentimental pour ce week-end. Hein. Du 5 et 6 février. Voyons voir quel est le message au niveau sentimental pour ce week-end. Hop là, et nous avons des choses inattendues. On va faire un tableau de 9, hein. Alors, on nous parle bien de cet hiver et on nous parle d'alliance. Des choses inattendues concernant un nouveau projet ou une grossesse. Bon, c'est un nouveau projet aussi, hein, le fait de vouloir un enfant. Bon, maintenant, il y a peut-être des femmes qui vont se retrouver enceintes et elles avaient rien prévu, mais voilà, le bébé est là. On vous dit la solution pour le foyer. Écoutez, là, franchement, c'est beau, hein. Vous avez la carte du foyer, vous avez la clé, vous avez le nouveau projet, c'est peut-être la nouvelle habitation, hein. Donc ici, de façon inattendue, vous avez cet hiver, au niveau sentimental, il y a possibilité de former un couple et d'emménager immédiatement ensemble, hein. Puisque ici, j'ai directement, c'est de façon inattendue que vient cette alliance et peut-être cette décision de prendre un logement à deux. Et comme vous voyez ici, maintenant, c'est peut-être aussi l'arrivée d'un enfant. Vous avez la clé et vous avez la maison. Donc, c'est un nouveau foyer. C'est vous emménager quelque part. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, hein, donc pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Mais disons que c'est le week-end où tout va se jouer pour certains d'entre vous, où vous aurez la clé de votre nouveau foyer. Allez, trois dernières cartes. Alors, lueur d'espoir, clarté. Non. Mise en lumière. Voilà, je pense que c'est la réconciliation, ceci. Je vais regarder. Donc, 33 et 64, solution, éclair, bougie, lumière, prière. Donc, par rapport à une réconciliation, j'avais raison. Donc, il y a quelqu'un qui va vous supplier. Regardez, nouvelle alliance, nouveau foyer. Et oui, regardez, c'est pas beau ça? Je vous montre. Oui, au nouveau foyer et à la nouvelle alliance. Et c'est cet hiver, hein, et vous y attendez vraiment pas. Il y a une réconciliation, hein, vous allez mettre les choses au clair. Vous avez un nouveau foyer, c'est cet hiver, ou alors vous avez une nouvelle, bah,
Pour les personnes célibataires, ben disons que là, vous allez rencontrer la bonne personne et vous allez vous installer immédiatement, hein, je dirais, parce que là, c'est inattendu, hein. Tout ce qui vous tombe dessus, c'est inattendu. Maintenant, ça peut être la réconciliation avec une personne avec qui vous aviez pris vos distances. On a la carte de la justice ici, hein. Et le secret. Maintenant, ça peut être l'équilibre retrouvé. Il y a un secret au niveau de la justice. On nous parle de réconciliation, on nous parle des foyers, on nous parle d'une nouvelle alliance, d'un nouveau projet pour cet hiver et on nous parle de secret. Et comme je n'aime pas les secrets, donc je vais tirer une carte. Bon, on va faire ça comme ça. Bon, vous allez garder secret cette réconciliation pour certains d'entre vous. Ils vont se réconcilier, ils vont mettre les choses au clair. Alors ici, de façon inattendue, vous allez faire la lumière par rapport à une situation où dans laquelle il y a peut-être la justice qui s'est mêlée. Et on va dire qu'il y a un nouveau rebondissement dans cette histoire et ça viendra de façon inattendue, hein. Ça va peut-être jouer en votre faveur alors que vous ne vous y attendez pas. Alors, alliance, foyer, on vous dit oui, par rapport à quoi? Et je vais, voilà. Ici, on a encore la carte de l'enfant, donc ça concerne la jeunesse, hein, ici. Donc, vous gardez secret, mais je voudrais quand même savoir un peu plus, parce qu'ici, on nous parle de justice, de secret concernant les enfants. Secret, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pondu des lois concernant nos jeunes. Donc, je veux savoir. Nouveau règlement, nouveau et qu'on garde secret, donc c'est, je ne veux pas de ça. Voilà, on vous dit que on est dans un labyrinthe au fait, hein. Donc on va voir le 29 pour être sûr. Égarement perdu d'avance, dispersion, labyrinthe ne s'est pas trouvé. Illusion, miroir déformant. Donc voilà, ce secret que cette justice essaye de garder, eh ben, c'est une déformation de la réalité. Donc il y a des choses qu'ils veulent camoufler et qu'ils ne veulent pas dire concernant la jeunesse. Mais bon, ça c'était tombé à part. Au niveau sentimental, c'est un petit message qui devait venir s'insérer. Alors, de façon inattendue, pour les personnes célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel tout va bien se passer et vous allez faire le projet de vous installer directement ensemble. Là, pour les personnes qui sont en froid et qui ont décidé de se séparer, on nous parle de réconciliation. Mais le fait de mettre aussi les choses au clair. Et tout ça va arriver alors que vous ne l'aviez pas programmé, vous ne l'aviez pas même imaginé. Ça vous tombe dessus par surprise. Voilà le message pour ce week-end. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner, de partager, de liker et de commenter si ça vous parle. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt.